Madame, Monsieur, chers amis de Trainfever, bonjour et bienvenue dans ce cinquième et dernier Let's Play de la saison sur Trainfever, où nous allons donc continuer là où nous avions laissé notre construction de réseau de transport. Donc comme vous voyez, nous nous portons mais à merveille, donc voilà. On a 14 millions, c'est tranquille. Comme je vous avais dit la dernière fois, on va faire une petite ligne marchandises, mais par charrue cette fois. Dans le futur, ce sera des camions, mais bon, ça, voilà. Histoire de relier justement... Ah, c'est beau ce sifflet. La menuiserie ici en matériaux pour là. Il faut juste qu'on trouve où mettre notre... gare, marchandises, bus, enfin, camion. Puis bon, écoutez, je pense beaucoup. Je ne fais pas grand chose. Écoutez, on va relier les deux routes là au bout. Ça et comme ça, et puis on va y créer notre arrêt ici, tout simplement. Voilà, donc là on va créer encore une nouvelle ligne qui va s'appeler M3, je crois. Ah oui, j'avais fait M2. Attendez, je vais corriger ça. Ça me perturbe visuellement. Voilà. Parfait. Alors, donc, ici, on va partir de la menuiserie ici à ici. Tout simplement. Parfait. Reste plus qu'à affecter des véhicules. Ouais. Bien sûr, je les mets tout à l'opposé. Elle est là. Donc bon, on n'a pas trop le choix, hein, vu qu'il n'y a que ce véhicule là qui fait. Et puis alors écoutez, on va mettre on va en mettre 6. 3, 5, 6. Assigner tout sur la M3. J'ai fait une grosse bêtise. Ouais, tout à fait. J'ai fait une grosse bêtise. Voilà, c'est le fail de la vidéo. Puisque j'ai affecté des véhicules charbon. Voilà, tout le monde rentre au dépôt. Bon, c'est pas très grave, somme toute, puisque on fera peut-être une ligne de charbon plus tard. C'est juste que ça va m'embêter au niveau... plutôt, on va dire, or, en fait. Si tout le monde veut bien rentrer, ils font juste demi-tour à la sortie. Vous avouez que c'est une fonctionnalité que j'ai pas connue, ça. Ces machins pouvaient transporter tout et n'importe quoi. C'est dans une des dernières mises à jour que ça s'est fait. Toc, on revend ceci, 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 ceci et ceci. Ils sont quasiment neufs, donc voilà. Ok, et puis ici, il faut que je modifie en marchandises. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Cette fois, c'est bon. Assigner tout, ligne M3. Parfait. Où est-ce qu'ils vont d'abord? Eau et pente, donc ça doit être ici. Ah non. Ils vont directement là. Voilà. Et donc ça va supprimer donc le transit par ici, ce qui est très bien. Le bois vient d'arriver. Il y a une sacrée quantité. Hein. Et dites-moi, c'est que la petite usine ici fabriquait quelque chose?
Elle tente d'atteindre là-bas, mais bon, il lui faudra. Cette usine, il lui faudra aussi du minerai de fer, donc c'est produit ici. Ça consistera en une ligne un peu plus complexe, donc ça va attendre un petit peu. Voilà, nos petites charrues. J'accélère un peu le temps. Est-ce qu'elles arrivent? Très souvent, elles se trouvent un peu embêtées par les bus. Non, ça va même pas. Oui, elle est utilisée, c'est parfait. Et vous voyez, elle a encore grandi depuis la dernière fois. Elle a 100 points limite, donc ben, tout va pour le mieux. Je suppose donc que l'autre a également grandi. Voilà, 56. Vous voyez ce débit de sortie, c'est impressionnant. Il est plein comme un train. Si j'arrive à cliquer dessus. 22 sur 40. Hein. Bientôt arriver les limites de capacité. Non, il y a encore la marge. Hein. Je pense que ça sera d'abord aux marchandises que ça va embêter. Je vois des catastrophes là au niveau des. Putain. Ah ouais, c'est le train de voyageurs qui arrive, c'est bien. Bien, alors. Maintenant, la deuxième étape d'aujourd'hui, contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois, qui était de remplacer des anciens véhicules. On va plutôt relier Comuni à Comuni et Crissier à Pantéréa. Donc, ah, je vais vite les poser. Hop, voilà. Les deux trains sont en gare, ça va me permettre de pouvoir construire sans trop être embêté. Voilà. Donc, on va faire comme. Comme la dernière fois, on va transformer le petit bout ici en deux voies, histoire que ce soit pas embêté les deux véhicules respectifs. Hop. Donc on va supprimer cet aiguillage ici, le remplacer par une double voie. Voilà. Voilà. Qui va ensuite. L'idéal, ce serait qu'elle parte tout droit comme ça. Oh. Ça descend beaucoup. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Vraiment, dans ce jeu, essayer de construire par petits bouts, c'est vraiment comme ça qu'on fait les plus belles voies. Mais bien sûr, ça consiste aussi à prévoir son chemin relativement bien à l'avance. Donc nous, on va passer, on va tout droit, donc il faut que je fasse descendre. Voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire un grand bout, mais ça va pas. Donc, hop, comme ça. Voilà. Un petit tunnel. Allez, même pas. Je pensais qu'on avait assez pour un tunnel. Ça va être moche, mais bon, c'est pas grave. J'assume. Hop. Ah, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, là on est à plat, c'est bien. Légèrement en pente, vu qu'il y a une rivière juste à côté, mais bon.
c'est secondaire. Je vais aller construire la gare à Komuni. Non, on va d'abord faire ce qui doit être fait ici. C'est-à-dire le double ici. Voilà. Qui permet la circulation. Donc dans les deux sens. Et puis, donc on va continuer comme ça. J'ai dit que j'allais construire à Komuni, donc on va y construire à Komuni. Deux voies quand même. Et puis, ah oui. Ici, pour des raisons pratiques, on va en fait faire enjamber les gens. Voilà. Joli pont en bois. Celui-là est plus joli par contre, fait plus époque. Voilà, allez, tac. Voilà, comme ça. Là, comme ça, il a la place pour faire des voies supplémentaires s'il en a envie. On peut même déjà poser. Et vous savez quoi, on va se faire plaisir ici. On va se faire un tram. Donc, toc, voilà, et on va poser la gare ensuite. C'est-à-dire ici. D'accord. Alors, toc. Voilà. Parfait. Maintenant, trouver l'endroit où ça passe, c'est-à-dire ici. Voilà. Délicat à utiliser cet outil. Casser le 120, voilà. Comme ça. Voilà le pont. Allez, on va le laisser en bois pour une fois. La petite ligne qui va bien, c'est parfait. Alors, pour des raisons de croisement, on va mettre un double voie par ici. On équipe les feux. Alors je pense que les feux... Ah non, les feux sont encore là. C'est parfait. Il nous faudra un feu ici. Ici ça va être un peu terminus. C'est vrai que je regrette de ne pas avoir fait trois voies directement ici. Mais bon, c'est pas grave. Je ne pouvais pas trop prévoir non plus. Je pensais plus à connecter là-bas. Mais bon, ça... voilà. Alors, ici à gauche, là. De l'autre côté, à gauche toujours. Ici. Un peu avoir le HUD qui s'affiche. Voilà. Et les feux ici aussi.
Gare entrée express. Excellent. Alors, suite des opérations, on va continuer du coup. Donc j'avais vu que ici ça montait beaucoup. Ici ça monte aussi beaucoup mais moins. Enfin ça monte beaucoup mais en passant en coteau on va pouvoir mieux passer que là en fait. Ici pour passer il faudrait que je fasse des zigzags, c'est un peu compliqué. Ou faire un tunnel. On a déjà fait un tunnel donc on va tenter de faire quelques variétés de lignes. Donc comme ça. On va partir. Voilà, donc le but ça va être d'essayer d'être le plus collé possible à la paroi. Quitte à faire des virages un peu grands, un peu courts justement, qui vont pas très vite. On continue de monter là pour un second bout droit. Comme ça. Ah. Monter que ça, juste suivre là le dessin un peu de la ligne. Et puis donc, la gare, où est-ce qu'on la pose? Donc les habitations sont plutôt là-bas. Bon, c'est pas grave si pour une fois, on est du côté des industries. Parce que l'idéal, c'est vraiment ici, la gare. Juste là. J'ai un basique de deux voies, parce que c'est un grand classique des gares. Bien pratique d'avoir deux voies si jamais vous faites des nouvelles lignes ou des extensions de lignes. Enfin bref, voilà. Ah ouais, puis un petit pont de montagne. Ouais, voilà, un petit peu en bois. Vous trouvez ça moche? Non, allez, ok. Hop. Putain. Ah, je te déteste. Purée. C'est ça. J'ai pas vu que c'était pas plein. Bref, voilà. Vous avez plus que ça à faire hein, dans ces cas-là. Et à repositionner la gare. Comme ça fonctionne. Ah, il y a un créneau. Yes. Voilà.
prêt. Voilà. Dans le virage et on arrive bien à une belle montée avant la gare hein. Mais c'était l'essentiel, c'est fait. On signale encore deux feux ici à la sortie, voilà, et on pas les feux à communier non plus, ou bien une voie à communier. Voilà. Parfait. Et puis il nous faut encore une voie de croisement. Donc on va la faire sur le petit bout de droit ici. Pour qu'il puisse quand même aller assez vite. 3 km, c'est déjà bien assez. Voilà. Mais j'ai fait un peu plus long parce que ben voilà. Et puis donc ici à gauche, on est toujours en bon sens parce que je me gourre à chaque fois. Sinon, voilà, hop et hop. Et tu es dans sens unique. Voilà. Et toi aussi. Sur deux communes différentes. Bref, voilà, bah, il reste plus qu'à connecter la ligne. Nouvelle ligne RER 3. Si je fais CTRL, ça va pas marcher bien. Voilà. Qu'on va connecter depuis ici. Jusqu'à là. Sortie sur une fois de gauche s'il te plaît. Voilà. On va jusqu'à glisser. Et tu fais comme tu veux. Il repasse à Comuni, sortie sur voie de gauche, c'est-à-dire ici. Et on est bon. Voilà, je crois que ça va le faire. Mais parce que le bout de voie est vraiment minuscule sur lequel ils sont ensemble. On verra comment ça se fait. Parce que là, ouais, ils partagent un petit bout de voie. Bon, je pense pas que ça posera de gros problèmes. Alors déjà, on relance tout ça. On va acheter des trains. Alors vu que ça monte pas mal, là, cette petite, elle risque d'être un peu légère. Donc on avait reçu une nouvelle locomotive hein, à la fin de l'année. Donc... que j'attends, la fin de l'année si par hasard il y a une nouvelle lock. Et on va patienter. C'est quelque chose que je me dis que je devrais souvent faire, mais non, visiblement il n'y a pas de nouvelle lock. Bon, alors j'aurais pas d'en regret. Donc on va prendre celle-là, lui ficher 10 voitures derrière, puisqu'elle a la capacité sans doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La cloner puisque on a besoin de deux en tout cas,
Et puis ben on va lancer tout ça. Alors, juste que je lance ça intelligemment, les trains s'en vont maintenant. C'est un bon moment pour le faire entrer en gare. Donc toi, tu t'as signé ligne RER 3. On va d'ailleurs surveiller. Attendez, j'ai plutôt celui-là. Hop. Toi, je te ferme. Toc. Et lui, on le garde à l'œil aussi. Elle est verte, ça va bien avec le avec les voitures. Donc là on va là, tranquillement la laisser aller jusqu'à jusqu'à Comigny, même jusqu'à Crissier. Voilà. On va même pouvoir vérifier si la ligne est bien adaptée pour elle, si elle tire, elle a pas besoin de, enfin, si elle tire suffisamment. Vérifie, là elle est à sa vitesse maximale. Bon, là elle va de toute façon ralentir parce que c'est un petit virage à 45, je crois. Voilà. Autrement, non, elle prend assez bien. C'est de la bonne locomotive, ça. Il y a déjà du monde ici. Vous voyez, ça se construit déjà, c'est impressionnant. Ah, je pensais bien qu'il allait y avoir quelque chose. Il se construit. L'algorithme de construction automatique est assez bien fait, je trouve. Alors, hop, pendant ce temps, bon, on va peut-être déjà faire une ligne ici, une ligne toute simple, toute droite, qui va être de tram en fait. Est-ce qu'il va à Crissier? Non, le monsieur va. Ah si, il y a quelqu'un qui va à Crissier. Il y a quelqu'un qui va à Crissier. Alors, toc. Ici comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis comme ça. Voilà. Donc on va créer la ligne. On était à 500, donc ce sera les 600. 601. Voilà. Qui va partir de là à là. Là. Tac. Tac. Voilà. 8 arrêts. 8 arrêts même. Mais, règle générale, on fait la liaison. Il faut que je pose un dépôt de tram. Je vais ralentir un peu le temps parce qu'il me semble qu'elle est pas loin de Crissier. Est-ce que je peux... Non, bien sûr. Merci la construction. Hein. J'aimerais bien qu'elle continue plus loin, cette route. Je dois écouter avec la... Son gros, c'est le dépôt de tram. Bon, bah... Ah oui, puis pas oublier de faire la connexion des rails aussi. Hein. Assez rudimentaire hein, comme système. Ah, zut. J'interromps. Non, on va finir la construction des rails. Là, je fais deux choses en même temps, mais c'est pour gagner un peu de temps vu que ben je vois qu'on arrive déjà assez vite sur la fin de la vidéo. Alors, donc ça, ça va être bon. On aura plus. J'ai déjà. Il y a 8 arrêts. On va prendre. Donc, c'est des trams hippomobiles, hein, des trams avec des chevaux. Donc, ça va faire 1, 2. On va en mettre 4. Voilà, assigner tout. Ligne 601. Parce que j'attends beaucoup d'affluence dessus. Voilà. Je vous offre la sortie du premier tram. Voilà, ça c'était les trams de l'époque. Chose que je n'ai pas connue. Enfin, qu'on... de toute façon, je ne l'ai pas connue, mais qu'à Lausanne, nous n'avons pas connu. Mes ancêtres et moi.
Tac, non, c'est pas le RR2, c'est le RR3 que je veux. Et le deuxième qui est au dépôt. Voilà. Alors, on va vérifier si la voie est libre à Panthéréa. Où sont les trains? Ah! J'espère qu'il passe avant. S'il te plaît, passe avant. Non, il va pas pouvoir, je pense. Va se faire stopper au feu. Faut que je le stoppe, lui. Ouais, il va se faire stopper au feu. Ça n'est pas grave. On va attendre que l'autre passe. Oh yeah. Très drôle. Il va falloir qu'il libère la gare. Je pense qu'il va lui voler la priorité. Ouais, tout à fait. Ce qui est logique. Voilà. Maintenant, lui, il passe. De toute façon, c'est comme ça que ça va devoir se passer. Hein. Faudrait... Dans l'idéal qui passe pendant le trou. Voilà. Ok. Parfait. Déjà 17 personnes depuis Crissier. C'est qu'il y avait de la demande. Plan avec ses ce magnifique train vapeur. Là, mais ici peu. Voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, me mettre à un endroit et regarder ces petits trains passer. C'est toujours un plaisir. Où est-ce qu'ils se croisent, mais je pense qu'ils se croisent bel et bien à Communi centre. On va voir qui c'est des deux qui arrive en premier. Si sinon les trams sont déjà perdus. Ah, celui de Chrissy arrive en premier, mais l'autre arrive pas très loin derrière, ce qui fait que l'autre va même pas attendre, je pense. Il aura attendu quelques-uns. Même pas, je suis même pas sûr qu'il ait attendu. Il y a déjà du monde. 5, 6. Et puis donc, on va vous, je vais vous montrer. Bien sûr, tous les trams se barrent. Il y en a un qui revient. Je vais vous montrer la gare centrale. Donnez-moi tout ce monde! Je suis déjà rempli. 18 personnes. Et vous vous rendez compte, il faut 4 trams pour pouvoir absorber tout ça. Je vais en remettre. Alors voilà le tram qui arrive. Je vais vous mettre en vitesse normale. Voilà, il prend son petit dégage. Et il transporte 4 personnes, hein, donc il a 80% de la capacité. Voilà, il est plein et il s'en va. Même rajouter des trams, hein, limite. Mais il y en a déjà un tous les deux arrêts. Et... Voilà, bon. Écoutez, on va laisser ça tranquille, on va s'occuper de Crissier encore. C'est déjà plus de 30 minutes de vidéo. On va quand même se faire une ligne de Crissier, de là à là. Donc, bien sûr, j'ai pas été assez rapide dans la construction de la gare centrale. Donc, comme ça. Comme ça. C'est vraiment un jeu où je pourrais y jouer des heures. Hein.
me fait des limites à une trentaine de minutes de vidéo, mais je pourrais tout à fait faire plus. Après, c'est pas très agréable pour pouvoir regarder non plus, parce que c'est toujours en fait un peu la même chose. Donc, nouvelle ligne, la 701, qui sera donc la dernière qu'on fera sur cette saison. Hop. Tac, 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 tac. Oh yeah. Et encore une nouvelle locomotive. J'ai vraiment téléchargé beaucoup de mods. Hein. Vous l'aurez sans doute remarqué. Et donc, il nous faut encore un dépôt. Ça, deux bus cette fois. On va mettre là. Et dans lequel on va acheter des obéissantes. 3, 4, on va mettre 5. Assigné sur ligne 701. Parfait. Et le joli train qui est là en gare. Un peu spécial, je suis pas spécialement fan de ces cheminées qui s'évasent comme ça, mais bon, voilà. Parfois, c'était ce qu'on avait sur le moment. Et je vais faire ça attendre ici quelques instants tant que le passager arrive. Là, je peux vous dire, il va y avoir du monde. Voilà, il est plein, donc vas-y, roule. Voilà, on a déjà... on a à peine déjà commencé qu'il y a déjà plein de passagers. Le véhicule est assez bizarre quand même. La porte est à l'avant. Une chaudière à l'arrière. Il fait pas chouchou par contre quand il s'en va. Mais bref, voilà, c'est donc ainsi qu'on va terminer ce Let's Play, en tout cas sur cette saison. Si ça vous intéresse de voir la suite des années, faites-le moi savoir dans les commentaires, hein, ça, je pourrais tenter de continuer, hein, si ça vous intéresse vraiment. Donc si ça vous, également si ça vous a plu cet épisode, je vous invite à mettre un petit like, mettre un commentaire, donc je vous lis toujours. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère également de vous abonner pour suivre d'autres activités. Voilà. Et puis donc, d'ici à la prochaine fois, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.